Sur les portraits accrochés au mur, c'est Ptolémée que vous voyez, le père de la cartographie. Comment dessiner la Terre? Une méthode est de la projeter sur un plan. Choisissons une ville sur la Terre, par exemple Dakar. On peut tracer la droite qui passe par le pôle Nord et par cette ville. Cette droite va couper le plan de la table en un autre point qu'on appelle sa projection. Ainsi, chaque lieu sur la Terre peut être projeté sur le plan de la table. Plus notre ville est proche du pôle Nord, plus elle se retrouve envoyée loin dans le plan. Elle peut même sortir de la table. C'est pour cela que l'on dit que le pôle Nord n'a pas de projection, ou plutôt que sa projection est à l'infini. Toute la Terre, l'exception du pôle Nord, peut donc être représentée sur le plan de la table. Cette carte du monde s'appelle la projection stéréographique. Bien sûr, cette projection ne conserve pas les grandeurs. L'Amérique du Sud, par exemple, paraît bien minuscule par rapport à l'Amérique du Nord. Pour bien comprendre la projection, nous allons faire rouler la Terre comme une balle et projeter toujours à partir du point le plus haut. Dans la danse des continents, chacun devient tour à tour grand, puis petit. Mais si on y regarde de plus près, on voit que la forme est respectée, même si les longueurs ne le sont pas. On dit pour cela que la projection stéréographique est conforme. Que deviennent les méridiens et les parallèles dans la projection? Quand on projette à partir du pôle Nord, les méridiens deviennent des rayons issus du pôle Sud et les parallèles deviennent des cercles concentriques.